Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chasse à l'habitant. Donc, je voulais déjà m'excuser d'avance pour les bruits de voiture qui risquent d'y avoir pendant la chasse. C'est tout simplement parce que je suis pas chez moi et du coup, je peux pas trop décider des voitures qui passent dehors. C'est un peu ennuyant. J'essaierai de retirer un maximum de bruit au montage, mais disons que je peux rien promettre entre guillemets. Donc, pour l'instant, on a 50 tickets en poche. Je pense que ma wishlist n'a pas changé depuis la dernière chasse. Du coup, bah, je vous mettrai comme d'habitude les habitants que je cherche en bas de l'écran. Et on va y aller. Si j'ai autant de chance que la dernière fois, ça devrait aller. Oh, c'est bébé Léa. Oh mon Dieu. Mais je peux même pas la prendre. Enfin, en soi, je pourrais, mais c'est juste que déjà, son design, ça va pas trop avec ce que je cherche, du coup. Et puis, de toute façon, j'ai son amiibo. Mais vraiment, elle est adorable, hein, Léa. Oh. Si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo, c'est de elle que je parlais. C'est l'autre seul kangourou en soi que j'aime bien. Non. Pas mon style. Ma quatrième. Ah. Bon, merci. Oh, bichoune. Je l'ai eu dans mon camping il y a quelques jours. Parce que du coup, j'ai pas de grande sœur sur mon île. Je sais pas si vous savez, mais dans le camping, il n'y a que des personnalités que vous n'avez pas. Ou vous avez très peu sur votre île qui viennent dans le camping. En fait, par exemple, là, moi, pour l'instant, j'ai aucune grande sœur et aucun paresseux. Et du coup, mes derniers campeurs, ça a été une grande sœur et un paresseux. Du coup, si jamais vous voulez absolument un chic, par exemple Raymond, il y a des méthodes de chasse au camping, je pense que ça s'appelle, qui disent qu'il faut se débarrasser de tous les chics de votre île pour avoir beaucoup plus de chances d'avoir Raymond au camping, par exemple. Oh, quelle est belle. Je sais plus son nom, mais j'adore les écureuils. Bon, après, c'est pas du tout ma préférée, hein, mais elle est cute. Ah, si, c'est Isabelle. Il y a son nom qui vient de me revenir comme ça. J'aimerais tellement trouver Irène. En vrai, il y en a plein que j'aimerais trop. J'aimerais trop Irène, Tutu ou Pierrot. Ah, non, c'est pas le bon loup. Non, c'est Marilou. Marilou, je l'ai déjà eu sur mon île, mais j'ai vraiment pas accroché. Ah, non. Par contre, les clochettes, je dis oui. Aïe, aïe. Je le trouve marrant, Grizzly. Il paraît qu'il est bien. Mais bon, après, je crois que tous les grincheux sont bien. Oh, Ethan. Lui, j'ai l'impression qu'on le croise souvent aussi. Hein. Ah, c'est l'île aux déchets, ça. Ah. Sa tête. Lui, c'est Bill, hein, je crois. Ouais, lui c'est Bill et le vert c'est Eddie. D'ailleurs, j'ai vu que Eddie en anglais il s'appelle Murphy. Mais du coup, ça fait vraiment Eddie Murphy. Oh, Faustine, c'était ma toute première habitante, c'était ma première grande sœur. Trop de nostalgie. D'ailleurs, je voulais vous dire un énorme merci. Je sais pas pourquoi je repense à ça là maintenant, mais j'ai eu 1000 vues en une semaine sur ma dernière chasse. Quand j'ai vu ça, j'étais là, pardon. Genre, je crois que j'ai jamais eu autant de vues en si peu de temps. Et du coup, bah, je voulais vous dire merci parce que ça me touche beaucoup. Encore une île aux clochettes. Oh non! Ah, c'est un loup grincheux, mais il n'est pas gris. Il est bleu. Oh, c'est Choco. Punaise, de loin, j'ai vu du rouge foncé comme ça. Même s'il est brun, mais là, à l'écran, il a l'air rouge un peu. J'ai cru que c'était Irène. Méchant Choco. Ah, c'est Grisa. Elle est trop cute. Par contre, j'ai l'impression qu'on croise beaucoup d'oursons quand même. On a croisé Grisa, Bill et encore une autre au début. Je sais plus qui c'est. Ah bah c'est Léa. Punaise la mémoire quoi. Et on a déjà eu deux loups aussi, donc peut-être que Pierrot n'est pas si loin. Oh là là. Mais t'es pas rose toi. Ah ouais, on est déjà à la 17e île. Le dégoût pur et simple. Qu'est-ce qu'il y a? Allez,
Descends. Reste là. Ah, c'est Rudy. Rien de très concluant pour l'instant. Ah bah c'est lui que j'ai eu dans mon camping, là je vous disais que j'avais eu une grande sœur et un paresseux. Eh ben c'était lui le paresseux que j'avais eu. Même que je m'étais dit, il a pas une dégaine de paresseux quoi. Allez, est-ce que la 20e va porter chance? Ah non, c'est la déception. Ah, le premier courrier. Ça va, on vint ticket, on s'en sort bien. Oh, c'est Gram. Ouais. Alors, il n'y a personne? Coucou. Oh. Oh non. J'ai eu trop peur. J'ai pas envie d'un oiseau. Ah non, j'ai cru que c'était Bouloche. J'avais vu à l'ombre que c'était un mouton et j'ai déjà croisé Bouloche sur la même île. Et du coup, j'ai un mini espoir. Rip. Oh, Marvin. Tu as pas recommencé, hein, Marvin? Encore un kangourou. Oh, ça va, elle est mignonne. Elle a vraiment l'air d'avoir des cernes de fou. Oh non. On s'en va. Encore une île aux clochettes. Oh. Et encore le mauvais mouton. Mais je veux pas de crocodile. Oh non. Mais le sort s'acharne, c'est incroyable. En plus, chef, il est génial. Mais c'est encore le mauvais loup. Grincheux. Dans une chique. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de loups vers cette île. Parce que du coup, il y a Loupio, Wolfgang, Chef, Pierrot. Quatre loups vers cette île, ça fait beaucoup, j'ai l'impression. Ah non, premier doublon. Oh, c'est dommage. Oh, oh Dalma. Elle est trop belle, Dalma. C'est qui? Mais non. Pas de lion, on a dit. Oh, c'est l'île aux tarentules. Oh, c'est Ramsès. Oh mon dieu. Mon petit bébé. Je l'aime tellement. Et je crois qu'il n'y a jamais eu aussi bonne correspondance entre l'île et l'habitant. Genre Ramsès sur une île aux tarentules, quoi. Que demande le peuple? En plus, je me rappelle, j'avais fait une chasse avec 80 tickets, je pense, pour trouver Ramsès. Et au final, je l'avais jamais trouvé et c'est une pote qui me l'avait donné. Et j'étais au bout de ma vie parce que je voulais vraiment le trouver moi-même. Mais ça faisait des mois que je le cherchais et j'étais jamais tombée dessus. Mais vais me faire mordre, il applaudit. Oh là là. Ramsès, c'est vraiment un des meilleurs paresseux du jeu, je trouve. Bye bye, Ramsès. Voilà. Je me sentais nue sans mes sparadraps. Ah non. Mais encore le mauvais mouton. Par contre, il est hyper cool, Pietro. Je le trouve hyper original. Mais par contre, à part une île sur le thème du cirque ou de l'horreur, je vois pas sur quoi il irait très bien. Ah non, pas Tony. Une fois, il s'est incrusté sur mon île parce qu'il y a une de mes potes qui l'avait fait partir de chez elle. Et comme j'avais une place libre, eh ben, elle s'est automatiquement prise parce que j'avais oublié de partir en chasse. Et il s'est incrusté comme ça. Mais j'ai horreur des personnages comme lui. Déjà, les personnalités chic, il n'y a que Matteo que je supporte. Et en plus, un cheval chic, oh là là. Oh, Justin, mon petit bébé. Oh, il est trop beau. Justin, il était vraiment trop trop cool. Et on tombe encore sur un lion. On l'a déjà vu, lui, en plus. Mais je veux pas des tigres non plus. Encore un kangourou. Mais elle est stylée aussi, elle. C'est Rona, je pense. Ou Rhonda, ou je sais pas trop comment. Ah non. Ah, il me fait peur. Encore elle. Mais n'empêche, cette île, c'est vraiment l'île aux moutons. Hein. Une fois sur deux, je croise un mouton sur cette île. Ah non. J'ai vu du rose et j'ai espéré. C'est un peu bête parce qu'il n'y a personne dans ma wishlist qui est aussi rose, mais je sais pas. J'ai eu un éclair d'espoir comme ça, mais. Non, non. Mais non. C'est un sketch. Oh. Le pire, c'est qu'elle est pas moche, hein.
Elle est super chou. Mais pourquoi il faut qu'elle soit jaune? C'est pas grave, on continue. Franchement, elle aurait été blanche à la place de jaune. Je l'aurais prise direct. Ah non, Margot. Ah non. Berk. Le 50e. Il est où? Ah, c'est Renata. Ah, elle est rose, mais. J'ai regardé sa maison. Pour moi, elle est un petit peu trop rose. En vrai, sa maison est pas mal. Mais franchement, Renata, j'accroche pas plus que ça, quoi. Du coup, on continue. Du coup, là, j'ai refait le plein. J'ai pris 30 tickets. J'espère que ce sera suffisant. Ah non. Je vais me faire taper. J'aime pas du tout l'ico. Comme je vous ai dit, les chics, à part Matteo, voilà quoi. Mais lui aussi, c'est un cheval chic. Donc non, merci. Oh, Cédric. Petit bébé. Je le cherchais pour mon île d'hiver. Oh, il est trop mignon. Mais du coup, c'est un petit peu trop tard, quoi. Oh non. Ah, tant pis. Il y a du rose. Oh non. Ah non. C'est Steven. Ouais, il me semble que c'est Steven. Il est aussi super cute. Il aurait bien été sur mon île d'hiver aussi, lui. Gonzo. Coucou. Trop mignon, mon papy. Gonzo aussi, c'est un des meilleurs grincheux du jeu. Il est trop adorable. Aïe, 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 aïe. En vrai, il me fait rire. Sa tête, elle est drôle. Mais c'est dommage qu'il ait plein de boutons sur le visage. Ah. J'ai mis quelques secondes avant de le reconnaître. Hein. Je suis pas du tout habituée au crocodile, mais alors lui, encore moins. On va vraiment en faire tous les moutons, sauf Bouloche. Je sais pas combien il y a de moutons en tout dans le jeu, mais on en a déjà croisé pas mal là. Oh. Mais on t'a déjà vu. Punaise, je viens de remarquer seulement maintenant qu'en fait dans ma vidéo, enfin pas ma vidéo précédente, mais ma chasse précédente, j'ai oublié de mettre Pierrot dans ma wishlist là, bah, ce que je mets en dessous de l'écran quoi. J'avais oublié de mettre Pierrot. Alors que Pierrot, je le cherche depuis longtemps aussi. Je sais pas, j'ai zappé. Mais du coup, faudra pas que j'oublie de le rajouter cette fois-ci. Ah non. C'est le retour des poules. Mais non. Ah, c'est pas possible. Chaque fois que je vois du rose, maintenant, j'ai un plein d'espoir comme ça. Eh ben, je suis toujours déçue. Marvin. Non. Ah. Là, ça devient intéressant. Laissez-moi regarder sa maison. Ça pourrait le faire, hein. J'hésite. Je sais pas. Je crois que je vais la prendre. En vrai, c'est pas un coup de cœur de fou. Mais on va pas se mentir, elle ira quand même super bien sur mon île. Elle est pas très mignonne en soi. Enfin, c'est pas comme Irène, par exemple. Irène, c'est un petit écureuil tout choupi. Là, c'est quand même un gros crocodile bien vénère, quoi. Non, en vrai, pour une île féerique et tout, ça va. Enfin, elle est dans les bons tons de couleur. C'est déjà ça. Je veux dire, on en a croisé plein. Ça allait pas du tout. C'est la première qui va vraiment bien avec mon île, quoi. En plus, avec ses petits cœurs et tout. D'habitude, j'aime pas les grands habitants comme ça. Enfin, vous voyez, là, elle fait ma taille, genre. Si on compte à partir de ses yeux, elle fait ma taille. Mais d'habitude, j'aime pas trop, à part les loups et les grands ours. Les lapins, je les compte pas vraiment parce que bon, leurs oreilles, elles font la moitié de leur taille, quoi. Puis j'ai pas eu beaucoup de crocodiles non plus. Je crois que j'ai eu que Chuck. Et c'était mon premier sportif, du coup, j'ai pas eu trop le choix. Mais en soi, j'ai jamais vraiment eu de crocodile. En fait, c'est un peu comme avec Selma. Elle était pas sur ma wishlist. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit. Bah oui, enfin, il me la faut, genre,
C'est comme elle a des petits cœurs sur sa queue, sur son museau et tout. Enfin, je sais même pas pourquoi elle est pas dans ma wishlist en vrai, parce que sa maison, elle est super cute, pile dans les tons qu'il faut. Même son intérieur, il va avec mon île. Donc bon. Bon, allez, viens sur mon île. Mais je veux pas de crocodile. Oh, elle est trop mignonne. Non, en vrai, ça va, je regrette pas. Elle est minouche. On n'a qu'à dire que je retire Norma de ma wishlist. Comme ça rééquilibre un peu le taux de normal et de grands habitants. La maison d'Odile. Du coup, je vais time travel pour voir sa maison. Et du coup, je vous mettrai une photo de son intérieur au montage. Comme ça, vous verrez à quoi il ressemble son intérieur. Parce que là, du coup, elle sera en carton. D'ailleurs, je suis super contente parce que ici, vous l'avez sûrement remarqué, je suis pas à la bonne date. Genre, je suis au 15 février, là maintenant. Alors qu'en réalité, on est le 28. Et je suis trop contente parce qu'on a enfin récupéré de l'herbe verte. Alors oui, c'est de l'herbe encore un peu jaune, dégueu, comme on avait à la fin de l'automne. Mais c'est de l'herbe. On n'a plus cette vieille neige. Enfin bon, moi j'aimais bien la neige. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de revoir son île avec des couleurs, quoi. Waouh. Ouais, sa maison, elle va super bien. Même dans cet endroit-là. Je trouve sa maison, elle est trop jolie. Même sa tenue, elle est parfaite. Genre, j'ai même pas à lui acheter d'autres vêtements. C'est parfait. J'adore quand elle fait cette tête-là. Elle est trop chou. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut se laisser ici. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo en la compagnie de Madame Odile. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un commentaire, me donner votre avis sur ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit like aussi, ça fait toujours très plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner. Ça coûte pas grand-chose et moi, ça me fait vraiment trop trop plaisir. Vous imaginez pas à quel point. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!